Bonsoir, le soleil a brillé dans les deux tiers sud ce mardi, beaucoup plus de nuages dans le nord, ce sera la même situation pour ce mercredi matin, avec de la grisaille entre la Bretagne et la Belgique, peut-être quelques brouillards également entre les Pays de la Loire et la Champagne, ailleurs le soleil sera présent, sauf en direction du golfe du Lion où des nuages vont remonter, ils vont d'ailleurs perdurer durant l'après-midi, sur les autres régions souvent un beau soleil, sauf de la Vendée à la Bretagne et jusqu'en Belgique où là les nuages vont conserver leur domination. Les températures de ce mercredi matin seront à nouveau froides, notamment dans le centre et dans l'est avec des gelées généralisées. Il fera déjà doux entre la Bretagne et la Belgique sous les nuages et dans l'après-midi de la douceur pour tout le monde. Souvent d'ailleurs un ressenti printanier là où le soleil sera de la partie avec 14 degrés prévus à Nevers, 16 à Clermont-Ferrand, 17 à Bordeaux et 19 pour Biarritz. C'est également doux sous les nuages avec 11 degrés entre Brest et Bruxelles. Des conditions nuageuses pour la journée de jeudi. Dans toute la moitié nord, un petit front atténué va apporter quelques gouttes entre la Bretagne et la Belgique. Le soleil sera encore présent dans le sud et près des frontières de l'est. Les températures vont baisser dans le nord du pays. Seulement 6 degrés l'après-midi pour Lille et pour Bruxelles, 8 à Paris, mais encore 15 degrés pour Clermont-Ferrand et 18 pour Biarritz. Cette petite perturbation, on va la retrouver vendredi entre les Pyrénées et le nord des Alpes avec un peu de neige des basses altitudes pour les massifs. À l'arrière, le retour de belles éclaircies. Les températures seront en baisse généralisée. Le retour des gelées le matin dans la moitié nord, l'après-midi, à peine 6 degrés pour Lyon, 7 pour Auxerre, 8 à Paris et 10 degrés en Aquitaine. La suite avec le week-end qui commencera par un samedi dominé par un beau soleil, mis à part des nuages présents dans le sud-est avec peut-être quelques ondées. Les températures seront bien froides le matin, il va geler quasiment partout. Fraîcheur attendue pour l'après-midi, mais le flux de sud apportera un redout pour l'après-midi et de dimanche avec un ciel qui va s'ennuager à l'avant d'une perturbation pluvio-venteuse qui va s'installer sur un grand quart nord-ouest en cours de journée, et puis sans doute des conditions plus perturbées pour la semaine prochaine. L'anticyclone devrait reculer vers les Açores avec un flux océanique davantage perturbé, sans doute des passages pluvieux sous forme de pluie ou d'averse avec de la neige en montagne et des températures qui seront légèrement au-dessus des normales de saison. On prend la direction du département des Vosges, plus précisément sur le sommet du Honnec. On est ici à 1350 mètres d'altitude, où les paysages sont bien hivernaux, de belles conditions en montagne en ce moment, avec de la neige et du soleil. Demain, nous serons le mercredi 9 février et nous fêterons la Sainte Apolline. Bonne soirée à tous et à demain.